présentation des modèles. Alors, si vous voulez retrouver, par exemple, des indicateurs que vous mettez sur un graphique, et à chaque fois vous allez ouvrir un nouveau graphique, eh bien, quand vous ouvrez un graphique sur MetaTrader, généralement, on va ouvrir GBP/USD par exemple ici, on fait clic droit, on fait ouvrir graphique, mais il ouvre, il a un fond noir, il est en bar chart ici, le zoom, eh bien, il est vraiment en fait au moins le plus possible, etc. Et en plus, il n'y a aucun indicateur dessus, il y a la grille, etc. Donc, il suffit de rezoomer, de remettre les chandeliers en candlestick. Et puis, si on veut changer la couleur, etc. Donc, pour s'y retrouver, eh bien, c'est simple. Il suffit de configurer un graphique. Par exemple, ici, je vais aller dans propriétés. Je vais le mettre sur un fond blanc. Par exemple, comme ça. Et si ce genre de configuration me plaît, je vais la garder. Je vais ouvrir pour mettre par exemple les bandes de Bollinger. Si ma stratégie de trading, j'utilise les bandes de Bollinger. Par exemple, je vais mettre aussi les volumes. Voilà. Et j'ai mes indicateurs qui sont installés comme ça sur mon graphique. Je mets ça en 4 heures. Voilà. Tout simplement. Et bien, pour retrouver à chaque fois ce genre de tous mes indicateurs sur le même graphique avec les mêmes couleurs, eh bien, je vais créer un modèle, je vais l'enregistrer sous un nom, par exemple méthode Bollinger, et je vais pouvoir retrouver ensuite, quand j'ouvrirai un graphique, j'irai chercher ce modèle que j'ai préconfiguré pour pouvoir l'ouvrir. Alors, on va aller en fait au point de vue des raccourcis. Donc, une fois qu'on a mis tous les indicateurs, eh bien, on fait clic droit sur la MetaTrader, on va dans modèle, et ensuite on va enregistrer ici. Là, il y a une fenêtre qui s'ouvre, donc on a tous nos modèles qui sont déjà en fait préconfigurés, qu'on a déjà fait. Il y a déjà aussi des modèles qui sont déjà préconfigurés à l'avance dans MetaTrader. Donc là, je vais marquer par exemple alors méthode test ou alors méthode Bollinger tout simplement. Voilà, et là, eh bien, donc il s'enregistre donc sur un fichier avec une extension de .tpl et je fais enregistrer ici. Et après, si je veux rouvrir un graphique, par exemple l'or, ils ont USD, je fais clic droit ouvrir un graphique, et bien je vais aller rechercher mes modèles sur un, donc par exemple ici, je vais rechercher mon modèle, donc méthode Bollinger. Donc la méthode Bollinger, elle est ici, voilà. Donc je clique dessus et en fait je retrouve exactement la même configuration que j'ai préétablie au départ. Voilà, donc ça c'est quand même quelque chose d'assez important et puis ça donne un gain de temps assez considérable. Pour aller chercher un modèle avec le raccourci, eh bien on va ici, d'accord, on clique dessus et on va chercher tous nos modèles qui sont ici, tout simplement.